on est actif sur les CA, les conseils d'administration de la Fédération québécoise de courses d'orientation, et puis sur les CA du Club Azimut Laurentides. Donc, on est principalement actif dans les Laurentides parce qu'on habite ici, et puis on essaie de mettre en place des activités, des formations, des parcours d'orientation permanents qui vont faciliter les profs comme vous au primaire ou au secondaire à pouvoir faire des initiations avec leurs écoles, que ce soit le plus facile possible. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un peu le tour du matériel qu'on veut partager avec vous et puis vous montrer les outils qui sont là. Puis après ça, ben, dépendamment de vos écoles, si vous avez un intérêt, vous êtes en mesure d'aller chercher un petit budget pour aller créer peut-être des parcours dans votre cour d'école ou dans d'autres parcs municipaux ou régionaux qui seraient plus utiles pour vous, ben là, vous pourrez nous contacter puis on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire avec vous dans les prochaines années, là. On a déjà pris plusieurs engagements avec des écoles de Val-David, Sainte-Agathe, Saint-Jérôme, d'autres écoles aussi. Dans les derniers mois, on a fait d'autres formations, mais en tout cas, aujourd'hui, on est content de vous parler, puis l'idée, c'est vraiment de vous donner des outils. Donc, est-ce qu'il y en a dans parmi tout le monde qui sont là présentement, qui en ont déjà fait de la course d'orientation, juste peut-être rapidement? Sandra, oui, on a déjà fait. Je ne vois pas tout le monde. Attends, comment je fais? Moi, j'ai suivi un cours à Sherbrooke pour ça. OK. Est-ce qu'il y en a qui en font dans leur programme déjà scolaire à l'école? OK. Sandra, toi, t'enseignes dans quelle école? J'enseigne à Mirabel, j'enseigne que du plein air, donc on en fait. Mais là, il y a des trucs que j'aimerais avoir parce que c'est sûr que j'en fais pas. Ça fait juste 3 ans que je suis là, fait que je veux avoir plus d'informations, tout ça, pour bonifier ce qu'on offre déjà. Okay. Puis ce que j'aimerais aussi, c'est avoir de l'information au niveau des GPS parce que j'ai pas les connaissances au niveau des GPS autant qu'avec la boussole. Là, donc, et voilà. José, elle a levé la main. Toi aussi, t'en fais dans ton programme? À l'école? Pour dire vrai, non, j'en fais pas. Moi, je l'ai déjà vécu avec une autre organisation à Morin Heights, mais disons que j'aimerais ça justement à l'école, qu'on puisse justement développer ça. D'autrement dit, comme quoi qu'on a aussi une forêt juste derrière l'école, puis ça serait le fun justement qu'on puisse l'utiliser à bon escient. Puis les cours justement d'orientation, moi je trouve que ça serait une très bonne idée. Et justement, par rapport à la formation, c'est que j'aimerais ça qu'on puisse justement pouvoir l'intégrer dans notre milieu, si c'était possible. Donc, voilà. Et je suis à Sans Frontières en passant. Donc, c'est ça. OK. Sans Frontières, c'est juste à côté de l'Académie La Fontaine, hein, c'est ça? Oui, proche, oui. Ou vraiment à côté de, voyons, des hauts sommets. Oui, OK, bien c'est parfait. Ouais. On est en train de faire un parcours là, pour, j'ai eu un petit budget là, de l'Académie pour faire un parcours dans le parc des Hauteurs, donc c'est ça que je suis en train de finaliser ce matin. Donc, il y a des parcours qui vont être plus disponibles bientôt. Dans le fond, moi, je fais ça, c'est mon métier dans la vie, là, c'est ingénieur en construction, donc je fais ça dans mes temps libres présentement, tout ce qui est relié à la course d'orientation. Je le fais avec Martin et avec nos petites équipes de la Fédération puis du Club Azimut parce qu'on croit sincèrement que c'est un sport qui est fantastique. Moi, personnellement, ça fait plus que 30 ans que j'en fais, puis c'est vraiment, ça prend pas beaucoup de matériel. Les enfants, ça leur prend des souliers de course. Souvent, on prête les boussoles. Les cartes sont créées par une organisation qu'on maintient. C'est la plus grosse dépense, dans le fond, dans le sport, c'est la gestion de la carte, c'est de créer une carte, obtenir les autorisations pour le terrain pour y aller. Et puis après, c'est un sport qui est tellement accessible et qui fait bouger les enfants, qui les fait courir sans qu'ils s'en rendent compte. Puis puis que ça fait travailler aussi l'esprit. C'est souvent ce qu'on dit, ça fait travailler la tête et les jambes parce qu'il faut que tu regardes ta carte, il faut que tu trouves ta position dessus et il faut que tu te débrouilles avec ça. Donc, c'est pour ça que dans les dernières années, on a investi beaucoup, beaucoup de temps
parce qu'on y croit. On a fait des demandes de subventions. On en a obtenu quelques-unes avec Azimut, avec Loisirs Laurentides. Mais là, on est en attente de réponse au niveau du ministère de l'Éducation parce qu'on souhaite sincèrement rentrer dans les programmes scolaires éventuellement, dans les écoles, créer des boîtes à outils qui vont être des outils adaptés pour que tout le monde puisse les utiliser et adapter à leur cours d'école et à leur secteur. Donc, on n'a pas encore les réponses au niveau du ministère de l'Éducation, mais ça s'en vient. On est aussi en contact avec l'Association des camps du Québec parce que la plupart des écoles souvent organisent des sorties scolaires en début d'année, en fin d'année, en hiver et tout ça. Et puis, on va, dans les prochaines années, on risque probablement, probablement d'avoir un partenariat avec l'Association des camps qui souhaite... La plupart des camps avaient déjà des parcours d'orientation. C'est comme été laissé mis de côté. Puis là, ben ça recommence. Donc, bientôt, là, soyez à l'affût. Ça va revenir seul, au goût du jour, je dirais. Donc, c'est là qu'on en est présentement. Donc, la course d'orientation, on n'a pas inventé ça. Ça existe, ça fait très longtemps. C'est tout ce qu'on fait. Je vais vous montrer bientôt des cartes. Là, tous nos outils, c'est basé sur des standards internationaux. Donc, au Canada, au Québec, on n'en entend pas beaucoup parler de la course d'orientation, mais dans les pays en Europe, les pays scandinaves, ça fait partie du cheminement scolaire là-bas. Donc, toute la réglementation par rapport aux standards au niveau des cartes d'orientation, c'est vraiment si on commence à s'initier, on est intéressé, on apprend les standards ici, ben ça s'applique aussi, ça vient de l'international. Donc, on est encadré d'une certaine façon au niveau des standards internationaux. Au Canada, on a Orienteering Canada qui sont en train de grossir aussi, de nous encadrer. Au niveau du Québec, on a la Fédération québécoise. Donc, c'est comme les autres sports, on est en train de s'organiser et de grossir au Canada. Donc, assez parlé de ça. Je vais y aller avec... Dans le fond, l'orientation, c'est un sport en soi. Là, notre fédération s'appelle la Fédération de course d'orientation parce que le sport, quand on parle de sport, c'est de la course d'orientation, mais 80% des personnes présentement au Québec, au Canada, qui font de la course d'orientation, le font comme un loisir et non pas comme un sport. Donc, il y a de la compétition, mais je pense que beaucoup de gens peuvent trouver leur plaisir au travers de ça. Au final, c'est une chasse au trésor et ça va chercher les enfants de 5 ans jusqu'aux personnes de 105 ans. Donc, quand on fait des événements, même des gros événements qu'on appelle des championnats québécois ou des championnats canadiens, on n'a pas encore des quantités phénoménales de participants, mais il y a des enfants de 5 ans, puis il y a des grands-enfants de 90 ans qui font les parcours. C'est vraiment à couper le souffle de voir les gens, comment ils ont un intérêt. Souvent, les gens plus âgés continuent de faire ça parce qu'ils le font depuis longtemps, mais ils continuent de le faire parce qu'ils disent « Écoute, moi, au lieu de faire des sudoku, là, mon médecin, il me dit « garder mon cerveau actif, là, mais moi, je fais de la course d'orientation parce que j'aime regarder ma carte, trouver je suis où, puis c'est vraiment démontré. » Donc mais l'orientation aussi, peu importe le sport qu'on fait, qu'on fasse du ski de fond, du canot, du vélo de montagne, ben d'avoir des notions de base en orientation sans se référer nécessairement à notre téléphone intelligent ou à un GPS, ben c'est très important et puis ça développe des habiletés qui sont utiles à tous les jours. Donc tantôt, il y a quelqu'un qui m'avait parlé du GPS. Moi, je touche pas du tout au GPS parce que, dans le fond, la course d'orientation, c'est vraiment d'être capable de lire une carte et non pas de trouver sa position avec le GPS. Donc, c'est quelque chose qui est en parallèle. Là. Je suis désolée si les gens pensaient vraiment qu'on allait aller plus loin au niveau du GPS, là, mais c'est vraiment autre chose. Donc, notre site web de la Fédération est en construction et pas encore très beau, pas encore tout à jour, mais on essaie de partager le plus d'informations possible ici. Et les documents qu'on va utiliser, que je vais vous montrer tout à l'heure, se trouvent en dessous de l'onglet « Formation ». Là, peut-être juste suivre avec l'écran, là, mais je vais juste vous montrer les deux endroits où retourner après pour avoir des références dans le futur. Donc, c'est ici, en dessous de « Formation », qu'on va aller. Éventuellement, ici, notre objectif, c'est de partager via cette page-là tout ce qui va se faire au niveau de formation. Si vous voulez aller plus loin dans d'autres formations ou savoir c'est où au Québec qu'il y a des parcours permanents ou c'est quoi les dates qu'il y a des événements au Québec. Donc, ça devrait être là la référence.
Donc, je vais commencer par vous montrer ce qu'on a sur le site de la Fédération. C'est ça qu'on va utiliser comme matériel théorique pour les prochaines 40 minutes. Puis tantôt, je vais revenir sur le deuxième site web du Club Azimut. Donc, c'est vraiment, il y a deux sites web au final que vous devez retenir, là, et puis les liens vont vous être partagés dans le chat. Donc, on va commencer avec la formation des enseignants. Je vais vous montrer des documents qu'on a partagés ici. Donc, formation instructeur document. C'est la boîte à outils qui a été créée dans les deux dernières années. Est-ce que vous voyez encore cet écran-là? Je pense que oui, là, c'est une liste de documents de toute la boîte à outils, de ce qui a été partagé. Pour aujourd'hui, là, je vais seulement couvrir le premier, là, puis je vous laisserai naviguer un peu dans ce qu'il y a dans tout le reste du matériel. Mais je vais ouvrir ici ce qui s'appelle le plan des leçons de référence. Si vous voulez, après, avec votre école, ce qui a été créé dans ce plan des leçons-là, on a créé 4 leçons qui regroupent l'ensemble des notions de base qu'il faudrait couvrir là, pour enseigner les notions de base en orientation à des enfants entre 5e année puis secondaire 5. Là. Quelqu'un qui commence, mais qui a des minimums de connaissances, là, d'habileté physique et de connaissances au niveau des mathématiques et ces choses-là. Donc, ce qu'on fait quand on fait des formations un peu plus avancées, on passe ce plan des leçons-là étape par étape, mais on voit que ce document-là comprend une petite introduction. On fait référence au développement à long terme des habiletés de l'athlète. Donc, chaque fédération sportive a des tableaux comme ça qui disent un athlète de niveau débutant, intermédiaire, avancé, expert, les différents niveaux. Donc, on présente c'est quoi les termes, c'est quoi les compétences qu'un enfant pourrait commencer à apprendre. Les niveaux qui correspondent au niveau scolaire, là, c'est ce qu'on voit au niveau développement de l'athlète au niveau 2 et 3. Ce n'est pas encore des athlètes, mais c'est des gens qui ont un intérêt et qui veulent apprendre à lire une carte, apprendre à s'orienter. Donc, ça peut être un bon outil de référence, ce tableau-là. Donc, on montre un peu le matériel qu'on va utiliser. On suggère d'avoir une boussole. Au niveau des initiations, souvent, on n'en a pas besoin de la boussole. On commence à l'introduire, mais les activités que vous allez faire, ceux qui viennent après-midi, on n'aura pas besoin de la boussole. Souvent, c'est vraiment de prendre la carte dans ses mains et de s'orienter sur le terrain en positionnant notre carte, mais sur des terrains d'école ou des parcs municipaux, la boussole n'est pas nécessaire. On suggère, quand on commence à s'éloigner en forêt, que chaque participant ait son propre sifflet. Une question de s'ils ont besoin d'aide. Dans un parc, dans une cour d'école, on n'en a pas besoin. Dans un parc municipal, ben, des fois, ils commencent à avoir des forêts ou des choses comme ça. Donc, plus ça avance, plus les participants sont obligés d'avoir un sifflet. Il y a différents matériels qui peuvent être utilisés. Des fois, juste des cônes comme ça, des plots, ça peut être intéressant. C'est facile à installer dans un cours d'éduc. On a juste 45 minutes. Ben, c'est facile d'utiliser des cônes comme ça plutôt que d'utiliser des vraies balises d'orientation. Je vais en apporter tantôt sur le terrain, là. Mais des vraies balises d'orientation, quand on les range, c'est quand même assez long. Il faut la déballer, il y a des cordes, il faut avoir la corde pour l'accrocher, le poinçon qui est en dessous. Donc, c'est un peu plus compliqué si tu veux faire une activité à installer. Il pleut, ça devient mouillé pour installer. Donc, ça prend quand même un peu de logistique. D'installer un parcours soi-même juste pour une période d'une heure. C'est pour ça que nous, au fil des années, on s'est dit, écoute, il faut vraiment qu'on se lance dans des parcours permanents pour faciliter l'accès aux gens qui peuvent arriver puis qui n'ont pas besoin d'installer aucun matériel. Donc, la balise, quand elle est installée, elle peut être mise sur un piquet ou accrochée après une branche d'arbre. Donc, je vais descendre un petit peu rapidement les plans des leçons. Je vais grossir un peu l'écran, mais vous allez voir que dans chacune des leçons, on dit, bon, c'est quoi l'objectif de cette leçon? Introduction, les points cardinaux, orienter et tenir la carte, puis l'échelle. Donc, c'est un peu, tantôt, on va faire sur le terrain, on va réaliser cette leçon-là. Donc, pour le montrer, sans aller détail ligne par ligne, c'est quoi l'activité, parce que je pense que c'est important qu'au final, vous sachiez que quelqu'un a pris le temps de faire le tour du matériel qui existe. Il y a plusieurs sources. Je vous ai montré notre fédération québécoise, mais quand on se met à fouiller,
Je vous ai dit, en Europe, c'est très, très populaire. Si on se réfère à la Fédération française de courses d'orientation, ils ont énormément de matériel qu'ils partagent en ligne aussi. Mais ici, dans le plan des leçons, on a fait un sommaire de tout le matériel qu'on jugeait pertinent pour quelqu'un qui veut faire une base là, de 4 cours avec ses enfants, ses étudiants. Je vais revenir tantôt sur ce qu'on voit là-dessus, mais je vais ouvrir la carte qu'on va utiliser tantôt. Donc, ici, sur la page d'accueil d'Azimut, on descend un petit peu. On a présenté 2 types de parcours permanents. En haut, ici, on a des quiz hauts. Les niveaux 1, c'est les quiz hauts. Puis plus bas un peu, on a des niveaux 2, la course en forêt qui se fait avec une application qui s'appelle I.O. Donc, je vais vous montrer la première activité après-midi. On va aller au parc de la Côte-Parent. 500 rue Madeleine, on va faire la boucle 1. Donc, je vais ouvrir tout de suite la boucle 1. On a des consignes et puis là, j'ai la carte. Donc ça, ce qu'on a devant nous présentement, c'est une carte typique de course d'orientation. Si la plupart d'entre vous avez déjà vu des cartes topographiques standards. Donc, une carte topo, on a des courtes de niveau, ce qu'on voit aussi à l'écran présentement. Mais une carte topo, on va avoir une échelle. Souvent, le fond, il est blanc, il y a moins de couleurs. Donc, sur une carte d'orientation, tous les types de végétation sont représentés. On va voir des poteaux. Si on a des poteaux, des arbres impressionnants, des grosses roches, une clôture, c'est le genre de détails qu'on souhaite avoir sur un parcours d'orientation, parce que c'est des éléments de référence sur le terrain. Si vous avez une carte standard, une carte topographique traditionnelle pour faire de la randonnée en montagne, ce n'est pas le genre d'information que vous allez avoir sur une carte topographique. Un autre détail qui est important, c'est, et qui est dans la différence là, que je prends le temps de mentionner ce matin, c'est que si vous avez déjà fait de l'orientation avec une carte topographique, les cartes topographiques sont orientées vers le nord géographique. Donc, quand on prend une boussole, il faut tourner, il y a une petite vis là, pour mettre la déclinaison magnétique. Tu t'achètes une nouvelle boussole. Si tu achètes une boussole sur Amazon pour 5 $, bien, probablement qu'il n'y a pas ça, mais une boussole d'une certaine qualité, normalement, vous avez une petite vis pour placer la déclinaison autour de 15 degrés au Québec. Donc, les cartes sont orientées vers le nord géographique. Les cartes d'orientation, la grosse différence, c'est qu'elles sont orientées vers le nord magnétique. Donc, le nord qu'on voit ici, c'est vraiment le nord magnétique. Donc, elle est tournée de 15 degrés par rapport au nord géographique. La raison, nous, on a continué, c'est un standard. Quand les gens se déplacent d'un pays à l'autre pour faire des courses d'orientation, tout le monde utilise des boussoles sans déclinaison magnétique. Donc, c'est plus facile de juste avoir une boussole, puis que quand tu arrives sur un site, la carte est orientée vers on n'a pas besoin de tenir compte de la déclinaison. Là, ce que je vous montre, c'est une carte topographique, mais quand on commence à en faire, des fois dans une cour d'école, je vais vous montrer une autre carte. Je vais aller dans le coin, la polyvalente, multisport, c'est là qu'on va tantôt. Si je n'ai pas le temps, je n'ai pas de cartographe qui a le temps de faire ma carte et que je vais sur Google Maps et que je prends une photo aérienne d'un secteur qui est connu, bien souvent, c'est une meilleure référence pour une première initiation avec des enfants. Ici, on voit le parc multisport où on va aller tantôt. Notre deuxième activité, on va aller se stationner ici et on va aller dans le parc du lac Jérôme. Donc, on ne peut pas faire une activité en forêt avec une photo aérienne, mais si je veux faire une initiation à la course d'orientation avec un terrain ici, je vois très bien le coin de la clôture, des escaliers, le stationnement, les bâtisses. Donc, souvent, le niveau 1 là, qu'on peut faire avec des enfants, c'est vraiment avec une photo aérienne. Et c'est facile avec ça de se rajouter des références, de faire des cercles et de faire une activité. Donc, il y a peut-être certaines personnes entre vous qui ont commencé à faire des activités avec une photo aérienne. Donc, le premier niveau, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une photo aérienne comme ça, puis peut-être avoir du même secteur une carte d'orientation. Donc, après ça, on peut montrer aux enfants, ils peuvent apprendre en même temps que nous, c'est quoi les couleurs, c'est qu'est-ce que représente avec notre Côte-Parent ici. Tantôt, on va aller se stationner. Dans le stationnement qui est ici, on voit que c'est comme en orangé pâle.
Tout ce qui est orangé plus foncé, c'est gazonné, c'est facile à marcher, donc c'est très bien dégagé. En bordure ici de la clôture, on voit qu'il y a de la forêt verte plus claire. Ça, c'est de la forêt dense. D'habitude, le niveau de vert te donne une indication au niveau de la forêt. On voit les petits hachurés avec des points, c'est de la forêt plus facile à... Elle n'est pas verte foncée, elle est plus claire, donc c'est de la forêt qu'on peut marcher au travers. Et la couleur qui se trouve à être vert kaki comme ça, c'est des secteurs résidentiels où on n'est pas supposé aller se promener, c'est des zones interdites. Je vous donne ça parce que là, je veux, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de faire une initiation. C'est que vous ayez conscience qu'il y a des codes. Loin de là, moi, l'envie de vous faire apprendre tous les codes par cœur. Ce matin, on ne veut pas apprendre les codes et les couleurs et tout ça, mais souvent, c'est très intuitif, puis on peut l'apprendre sur le terrain quand on y arrive. Donc, je vais juste continuer avec... Attends, j'ai pris ça ici. Fait que je vous ai montré les différents types de cartes. Entre la différence entre une carte topo traditionnelle, la carte d'orientation, c'est vraiment la déclinaison. Une carte d'orientation est vraiment créée selon des standards, mais pour initier, c'est toujours préférable de commencer avec une photo aérienne. Ce qu'on va faire, je vais vous... ça, on va le refaire sur le terrain, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui va venir tout à l'heure. Donc, je vais prendre quelques minutes juste pour faire le tour de ce qu'on trouve comme information sur la carte. La plupart des cartes ont un titre. Ici, ça s'appelle « Carte de la Côte-Parent », ça se trouve à Saint-Jérôme. Le circuit qu'on a devant les yeux s'appelle la boucle 1. La plupart des cartes ont une échelle. L'échelle de cette carte-là qu'on a présentement, c'est du 1-2000. Ça veut dire que 1 cm égale 20 mètres. Ce qu'on va faire sur le terrain, tantôt, on va avoir la carte dans nos mains. On va pouvoir mesurer à l'œil ou avec une règle sur le côté des boussoles. Souvent, il y a une règle en centimètres. On va pouvoir mesurer une distance sur la carte puis évaluer la distance qu'on voit. Donc, la référence d'un centimètre égale 20 mètres, on va vraiment faire un exercice de mesurage sur le terrain. Les courbes de niveau sont aux 2 mètres. Donc, si on regarde entre le stationnement et le sommet qui se trouve à être au point numéro 10 ici, à la Côte-Parent, on traverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 courbes de niveau. 12 fois 2 mètres, fait qu'on parle d'un 24 mètres de dénivelé. Donc, c'est des notions qui est facile d'utiliser, introduire des mathématiques, faire du mesurage en centimètres pour évaluer une distance et compter des courbes de niveau pour évaluer un dénivelé. Il y a des exercices qui peuvent se faire. Des fois, quand on n'est pas familier, on ne connaît pas le terrain, tu regardes une carte pour la première fois, tu te dis, coudonc, c'est où le point haut, c'est où le point bas? La carte qu'on a devant nous, elle pourrait être embêtante. T'sais, on pourrait penser que c'est ici le point haut puis que ça, c'est un trou. Un truc, c'est de regarder l'eau. Sur cette carte-là, il n'y en a pas, mais je vais vous montrer une autre carte. De l'eau, ça suit la gravité, ça coule vers le bas. Donc, quand on est des ruisseaux, je vais prendre le temps de m'ouvrir une carte. Non? Donc, sur cette carte-là, c'est un endroit dans la Naudière où on a fait un camp pour des profs en septembre, octobre. Ici aussi, quand on fait une première lecture de carte, on regarde, OK, je regarde les courbes de niveau, mais qu'est-ce qui est des trous, qu'est-ce qui est des bosses? Non, je suis dans ce secteur-là, mais tu dis, OK, oui, ça, c'est un sommet, mais comment je peux valider que c'est un sommet? Bien, j'ai de l'eau d'un côté, j'ai un ruisseau, j'ai de l'eau ici. Fait que normalement, des grandes étendues d'eau, là, ce n'est pas des lacs perchés au sommet, c'est vraiment dans les points le plus bas. Donc, à partir du point d'eau, on voit que nos courbes de niveau, ils montent, ils se rendent vers un sommet dans le secteur nord ici. Ça monte ici, dans le secteur sud, il y a un autre sommet. Donc, on voit que tout le secteur sud, il y a quelques sommets dans le centre, entre nos cours d'eau. Donc, c'est vraiment... Puis, quand on regarde nos ruisseaux, souvent, bien, ils commencent... Peut-être n'importe où. Si je déplace un petit peu vers le nord, on voit qu'un cours d'eau peut commencer un peu n'importe où, mais il finit par couler jusqu'à où il y a de l'eau. Donc, quand on commence à imaginer, à regarder la carte, on essaie d'imaginer c'est quoi la trois dimensions. Des fois, on ne le voit pas toujours, mais c'est un truc de regarder l'eau.
Puis souvent, quand on commence à la regarder, mais on l'imagine, on le voit, le trois dimensions, puis on le voit au niveau de certains enfants. Il y a des enfants qui ne l'ont pas du tout, là, mais il y en a qui commencent à regarder la carte, puis ils voient les dénivelés, ils peuvent lire la carte, ils peuvent lire. Je vais zoomer un petit peu dans un secteur comme ça, parce que c'est ce que je veux vous montrer, la théorie, avant qu'on aille sur le terrain. On a une route ici, les courbes de niveau, ils montent, puis je vois qu'il y a comme un petit élément ici sur le terrain, que la courbe de niveau, elle fait vraiment une drôle de forme, tu sais. Puis ça, quand que je marche dans ce secteur-là, c'est un trou. Tu sais, si je descends le sentier, là, puis je tourne mes yeux, je regarde vers là, je devrais voir ce dénivelé-là. Puis c'est ce qu'on on aimerait, ce qu'on souhaiterait, c'est que des enfants deviennent assez bons, et vous aussi, pas juste les enfants, mais devenir bons pour lire la topographie. Donc, vraiment, l'orientation, c'est d'être sur le terrain, d'être capable de lire la carte, de positionner notre carte, puis de trouver notre position sur la carte. Quand je vous dis, en fait, je vais venir sur le sujet de votre colloque aujourd'hui, ça s'appelle la différenciation. Est-ce quelqu'un qui peut me dire le vrai titre? Ça s'appelle... La différenciation... Au cœur de l'inclusion. Ouais. De l'inclusion. Bon. Moi, je voulais vous montrer ça parce que on a des enfants autistes qui font des courses d'orientation qui sont... moi, je connais... J'ai une amie à moi qui fait des courses d'orientation. C'est elle qui m'a embarquée dans tout ça, en fait. Là. Elle a deux enfants de 10 ans, deux jumeaux. Il y en a un des deux qui ne m'a pratiquement jamais adressé la parole. Il ne parle pas beaucoup, il est dans sa bulle, c'est un autiste, pas un autiste profond, il fonctionne, il va à l'école, mais c'est un autiste. Puis lui, ce petit gars-là, là, il a une carte d'orientation dans ses mains, puis il la voit, la 3D, il est capable de la lire, il est capable d'aller du point A au point B. Puis c'est vraiment des enfants qui ont une autre forme de langage dans leur cerveau, qui sont capables d'assimiler des choses comme ça. Donc, c'est intéressant de voir. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, je voulais vous dire un petit peu l'inclusion. Souvent, on peut aller chercher des gens, des sportifs, des moins sportifs, des récréatifs qui veulent faire la course d'orientation puis qui vont le faire à leur rythme puis chacun va en tirer son bonheur là-dedans. Là. Donc, juste pour compléter, moi, ce que je vois, la lecture de cartes, la lecture de cartes d'orientation, c'est un peu comme un autre langage. Tu sais, des fois, quand nous, je vous parle en français, vous êtes peut-être principalement des francophones. Quand on s'en va en voyage aux États-Unis, on met notre cerveau à la switch à on pour l'anglais. Puis des fois, la première heure, on cherche nos mots, puis là, on devient bon. Tu sais, puis là, après 2-3 jours, ben là, on est rendu bilingue. Là. Ben, l'orientation, c'est la même chose. Même moi, après 30 ans que je fais de la course d'orientation, la lecture de cartes, des fois, là, quand ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, je regarde puis je me dis « OK, attends, il faut que je me remette le cerveau à la bonne échelle. Si je veux comprendre la boîte que je vois là, c'est un bâtiment ou c'est une... » Tu sais, faut vraiment... C'est comme un apprentissage d'un langage. Donc, tandis que j'ai cette carte-là, parce que je ne veux pas trop vous étourdir, je vais faire le tour rapidement de ce qu'on voit. Puis après, on va aller... un peu lire au niveau de la théorie, c'est quoi les features. Donc, on a compris que le bleu représente de l'eau, en général. Le orangé, ça représente des espaces ouverts qui sont faciles, mettons, si on veut courir d'un bâtiment à l'autre, ça devrait être vraiment facile à courir. Quand on entre dans la forêt, ici, on a une belle forêt avec différentes couleurs. Le blanc, c'est de la forêt la plus facile à marcher. Quand on voit au Québec une érablière qu'on peut voir 200 mètres devant nous, souvent, c'est une forêt qui serait représentée en blanc comme ça. On pourrait dire, OK, mais moi, je ne resterai pas sur le sentier, je vais piquer au travers parce que je sais que c'est facile à marcher par là. Mais si je monte le sentier, je décide de piquer au travers ici, vous voyez ma souris, là, peut-être que je peux grossir un peu, là, mais si je pars du bâtiment, je décide de monter le sentier, puis je décide de piquer au travers dans la forêt qui est assez blanche, bien, ça se ferait parce que probablement que la forêt, je suis capable de traverser. Si je décide de faire le même exercice, mais que je décide de piquer au travers dans une forêt qui est plus foncée, là, on voit que là, ici, c'est un peu plus foncé, probablement qu'il y a plus de branches à terre, puis quand on va dans du vert plus foncé, comme j'ai ici à droite, là où j'ai la souris, probablement que ça, c'est une forêt de conifères avec beaucoup de branches par terre. Puis si on essaie de traverser ça, probablement que ça va nous prendre plus de temps que si on redescend sur la route
qu'on fait le tour puis qu'on remonte dans la forêt de l'autre côté. Donc, c'est ce que représentent les différents dégradés de forêt sur la carte. Ce qui est construit par l'homme est souvent en noir. Donc, on voit que les bâtiments sont en noir, les sentiers qui ont été aménagés sont en noir, les bordures de route sont en noir. Donc, je voulais vous le montrer sur une carte. Je ne sais pas si c'est pertinent en ce moment, mais quand je regarde ta carte, là, est-ce qu'il faut faire 1, 2, 3, 4, puis après ça, traverser le lac, puis aller faire la 5, 6, ou ça n'a pas d'importance, ces numéros? Prendre le petit pont pour aller faire la 5, 6? Il y a deux types principaux de courses d'orientation. Le traditionnel, c'est linéaire, c'est point à point. Quand que la personne part du départ, qui est représenté par un triangle sur la carte, ici, il y a le départ, c'est le triangle, puis l'arrivée, c'est le cercle concentrique. Donc, si on a établi un ordre, il faut que les gens le fassent dans le bon ordre. Donc, dans une course comme ça, tout le monde, à des intervalles différents, il y aurait des heures de départ différentes, partirait du même endroit puis essaierait d'aller chercher la balise numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans la séquence qui est imposée. Puis le gagnant, si on le fait vraiment chronométré puis que c'est une vraie course, le gagnant, ce serait celui qui les a toutes trouvées, les balises, le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un parcours linéaire conventionnel. On fait parfois d'autres courses sur le même terrain. Je vais vous montrer, ça s'appelle une course au point. Une course au point, bien, il n'y aurait pas de séquence sur le même terrain qu'on regarde. On irait visiter les mêmes balises, mais dans ce cas-là, on pourrait faire un départ de masse dans le secteur près du bâtiment du départ. Et puis, les gens prendraient leur stratégie, pourraient décider, il y en a qui iraient vers le sud, vers le nord, et puis l'objectif, ce serait de ramasser le plus de points possible. Donc ça, c'est l'autre type de course qui est une course au point. Ça, ce qui est intéressant dans ce format-là, c'est que on a un temps limité, on donne une heure aux participants pour faire de ramasser le plus de points possible, bien, ça nous permet d'en offrir pour les très compétitifs puis les plus ludiques, ceux qui ont plus le goût de s'amuser en forêt. Parce que, mettons, si on donne une heure à tous les participants pour ramasser, aller visiter le plus de balises possible, bien, on dit dans 60 minutes, si vous arrivez dans 61 minutes, bien là, vous perdez des points. Dans le scénario qu'on a devant nous, chaque balise visitée donnait aux participants 10 points, mais si tu arrivais en retard de une minute, bien, tu perdais 10 points. Au final, il faut être stratégique. Quand il arrive, ça fait 50 minutes que tu es dans la course, puis que tu es rendu, avant d'aller de t'aventurer plus loin, il faut que tu prennes une décision, il faut que tu ailles réfléchir, tu dis avec la vitesse, avec mes compétences, c'est le temps que je retourne au point d'arrivée pour ne pas perdre des points. Parce que si, à un moment donné, ça ne vaut pas la peine d'aller chercher 20 points additionnels pour aller chercher, disons, la balise 139-137, si tu arrives en retard de 2 minutes, ben, tu vas aller perdre les points que tu vas avoir accumulés. Donc, c'est un niveau de stratégie que si on fait vraiment un comptage de points, ça va faire réfléchir les enfants. Ce qui est intéressant aussi dans un format comme ça, au niveau d'une initiation, ce qui est le fun, c'est que des enfants qui savent vraiment ils sont où sur leur carte, puis qui veulent, ils partent, ils veulent aller chercher 129, ils savent exactement ils sont où, ils vont partir, ils vont le ramasser, ils vont peut-être décider d'aller chercher 125, mais c'est correct pour quelqu'un qui est compétitif, qui connaît sa position. Quelqu'un qui est moins intéressé, un jeune qui est moins, il sait pas lire la carte, il est tout mêlé, il va peut-être juste se promener, faire une balade en forêt, puis il va trouver des balises. Donc là, ça va être l'inverse. Il va arriver sur le terrain, puis en marchant sur le sentier, il va peut-être lui arriver par hasard à la balise 129, puis la balise, elle va lui dire, écoute, ça c'est la balise 129, donc voici où tu te trouves sur la carte. Donc c'est un format de course qui peut être intéressant parce que l'enfant va se faire dire par la carte, il se trouve où. Donc, il va pouvoir continuer à marcher puis ramasser quand même des balises. Ce qu'on voit quand on fait un format de course comme ça, en initiation, mettons, avec des sixième années, il y a peut-être des enfants plus compétitifs, plus sportifs qui vont venir dans l'heure qu'on va leur avoir allouée puis qui vont avoir pratiquement ramassé toutes les balises, puis qui vont avoir eu beaucoup de plaisir puis qui vont avoir été stressés puis ils vont raconter toute leur histoire. Puis il y a d'autres enfants qui vont avoir été moins compétitifs, qui vont en avoir ramassé juste 4-5, mais ils vont avoir une autre version d'histoire à raconter parce qu'ils ont rencontré quelqu'un, ils ont reconnu la clairière qui était ici parce que par hasard, ils sont arrivés là. Donc, c'est un format de course qui est
qui est intéressant aussi au niveau de l'initiation. Donc, merci. C'est Martin qui a posé la question. Donc, c'est vraiment les deux types d'activités d'orientation qu'on fait principalement. Donc, juste avant que je quitte cette belle carte-là qui nous montre plein de forêts, avant de retourner dans une carte de ville, parce que c'est certain que comme orienteur, une carte en forêt, il y a plus de détails, c'est plus intéressant qu'un parc, pas de courbe de niveau, un terrain de soccer en ville, mais c'est un autre exercice. Tantôt, je vous ai montré ce qu'on avait sur une carte, un nom, une rose des vents. L'échelle, les courbes de niveau, on peut mettre les logos des gens qui ont payé pour la carte. Souvent, on laisse le nom de la personne qui a fait de la cartographie comme référence, parce que dans quelques années, peut-être que cette carte-là sera plus à jour, donc c'est le fun d'avoir le nom de la personne qui l'a créée pour qu'il puisse nous faire des corrections. Et ce qui est le plus important, c'est la boîte qui est ici de description de contrôle. Donc, ce que ça dit, la personne, quand elle va arriver à la balise 119, je vais la faire apparaître, 119, on la voit ici. C'est un pont qui traverse la rivière au bout du lac. Puis ça dit que c'est un pont, puis la balise va se trouver au coin nord-est. Ici, on n'a pas mis de description, mais vous allez voir que dans les parcours d'initiation, souvent on met la description en texte, en mots. Donc la personne n'a pas besoin d'avoir appris tout ça pour comprendre ce que c'est. C'est certain que les petits symboles souvent sont intuitifs. T'sais. On aurait pu regarder le symbole du pont et dire « Ah, ça ressemble à un pont ». Ça, c'est des sentiers. C'est représenté comme ça aussi sur la carte, le sentier. On voit le 125, ça se trouve être une falaise. 125, ici, on voit il y a un rocher, là, puis ça se trouve être en bas de la falaise. Les bâtiments sont représentés en carré noir. Donc, ici, c'est un petit peu les codes que les gens, au fil de leur apprentissage, peuvent apprendre. Puis, il y a des exercices qui sont proposés. Si vous voulez le faire dans le cadre à l'école, puis vous décidez de faire quelques leçons, bien, à un moment donné, dans une des leçons, bien, vous allez travailler plus l'apprentissage de ces symboles-là. Donc, je vais retourner sur notre carte de la cour de parents, juste pour vous montrer l'équivalent. Les cartes vraiment d'initiation, on a la même chose. Là, étant donné que la séquence est imposée. Quand on va partir d'ici, on va dire, bien là, il faut aller visiter la balise. La première, là, ça va être la balise numéro 1. Donc, on voit la première colonne dans la boîte de description de contrôle se trouve à être, on voit de 1 à 11. On voit qu'ici, dans le parcours qu'on a, on va visiter 11 balises. Puis quand on va arriver sur le terrain, à la première place, ici, la première, il pourrait avoir une balise numéro 48 qui se trouve à être là. Ce qu'on voit, c'est un objet particulier, c'est un luminaire. On a pris le temps d'écrire que c'était un luminaire. Donc, on a une petite description de ce qu'on cherche ici dans la dernière colonne. Ce qui est spécifique au quiz haut versus une course d'orientation traditionnelle, c'est que sur le terrain, on n'a pas rien installé. Quand vous allez, ceux qui vont aller l'essayer cet après-midi à la cour de parents, on n'a pas installé aucun matériel parce que c'est plus facile de faire accepter aux villes, aux municipalités, de faire une activité dans leur parc sans installer de matériel permanent. Donc, c'est ce que ça nous permet, le format quiz O. Ce qu'on a fait quand on va arriver à l'endroit numéro 1, je vais me faire poser une question. J'arrive au luminaire, je ne vois pas de balise d'orientation, rien, mais la question qui va m'être posée, ça va dire le poteau est protégé par qui? Et puis, là, il y a des réponses, choix de réponse A, B, C, D, Tetris, matrice, lectrice. Vous allez pouvoir l'expérimenter. Ce qu'on a fait, c'est qu'on peut l'offrir la question en format papier. On a fourni le PDF. Et puis, les gens peuvent le faire dans Socrative. Ici, c'est marqué le quiz O avec l'application Socrative. On a le code qui est marqué ici, FQCO12. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent Socrative. C'est un logiciel qui est gratuit pour les utilisateurs, qu'on peut faire des quiz. Donc, la séquence des 11 questions pour valider que le parcours est bon, il est dans Socrative aussi. Donc, c'est ça. Si on arrive sur Azimut, je reviens où on a fait de la cour de parents tantôt. C'est ici que j'ai ouvert la boucle numéro 1. En cliquant sur le lien qui est à côté, j'ouvre le PDF des questions qui correspondent
au parcours. Je vous l'ai montré à papier, mais c'est que le professeur pourrait imprimer ça ici. Là. Donc, quand il arrive au poteau, c'est la balise 48, ça dit le poteau est protégé par qui? Puis là, j'ai mon choix de réponse A, B, C. Donc, l'idée, c'était d'avoir quelque chose que les écoles peuvent utiliser. Ce n'est pas toutes les écoles qui sont munies de téléphones intelligents puis qui pourraient faire un socratif dans le parc d'à côté par an. Donc, c'est pour ça qu'on a mis à la disposition des professeurs les questions en PDF qui peuvent être imprimées papier. Donc, ça, c'est plusieurs parcours permanents qui ont été créés comme ça, comme le quiz O. Il n'y a rien installé permanent sur le terrain. C'est des questions qui utilisent des poteaux d'hydro, des bornes fontaines, du matériel qui est permanent sur le terrain qui permet de valider que le parcours a bien été fait. Puis, quand on retourne sur un autre... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui, Nicolas? Oui, je voulais savoir si l'élève télécharge Socrative, là, sur une tablette, quoi que ce soit, est-ce que ça y prend une connexion Internet ou une fois que le formulaire est téléchargé, il peut se promener avec son tablette? Oui, je pense qu'il peut se promener sans... sans connexion. Sans données, sans data. Oui. Parfait, merci. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer pour ça. Puis, je vais continuer. Dans le fond, ça, c'est le type d'activité qu'on fait après-midi. Là, je vais aller vous montrer l'autre qu'on va faire, la deuxième activité. On va se déplacer et puis on va aller faire un niveau un peu plus avancé. On va aller au parc Jérôme, le parc multisport. On va aller faire la boucle 1. Donc, je vais l'ouvrir. Celle-là, sur le terrain, il y a des vraies balises qui sont installées. Bon, ça, c'est la carte qu'on va aller voir tantôt. Donc, tantôt, en photo aérienne, je vous ai montré les terrains de soccer avec le stationnement. C'est ce qu'on voit ici dans le haut de la carte à gauche. Il manque le secteur ici. Quand on a créé la carte il y a un an, mais ça a beaucoup changé parce qu'ils ont construit le skatepark dans ce secteur-là, puis il y a des nouvelles maisons. Donc, il manque un petit peu d'informations, mais le parcours est encore bon. Donc, quand on va aller faire cette activité-là, on va utiliser une application qui va nous permettre de faire du chronométrage. Donc, on va partir du point de départ sur le bord des terrains de soccer. Et avec une autre application sur le téléphone intelligent, on va pouvoir uploader, mettre le parcours dans notre téléphone. Quand on va arriver à la balise numéro 1 qu'on la trouve, on va prendre en photo un code QR, puis ça va nous dire, bon, mais ça vous a pris 3 minutes pour vous rendre à la balise numéro 1. Donc, on voit ici que la balise, la première qu'on cherche quand on va arriver sur le terrain, ça va être la balise 107 qu'on va trouver à cet endroit-là, à l'intersection du ruisseau, près du sentier. Donc, on va trouver la balise 107. On sait que c'est un cours d'eau, le coude côté nord-ouest. Donc, c'est ce qu'on va chercher. Donc, on voit la séquence ici qu'on va aller chercher 9 balises. Les numéros des balises qu'on va trouver sur le terrain sont ici, mais contrairement à l'autre activité, sur le terrain, il y a vraiment des objets qu'on va trouver. Donc, pour avoir le droit de faire des activités comme ça, mais ça nous prend l'autorisation de la ville pour installer le matériel. Il faut s'assurer d'y retourner de temps en temps pour voir que ça n'a pas été vandalisé puis que les balises ont disparu. Là, c'est le fun parce qu'on se trouve à être en ville, mais on a quand même une forêt assez impressionnante à notre disposition. On va partir sur le chemin, le grand sentier qui s'en va vers le lac Jérôme. On va pouvoir prendre le sentier qui se rend vers la colline qui est ici. C'est un super beau quartier avec vraiment du dénivelé, plusieurs sentiers. Au sommet, il y a un banc. On a une super vue sur la ville. Ceux qui connaissent le parc, là, ils vont se reconnaître. Ici, il y a un parc pour les enfants. Et puis, donc, on voit que la forêt est assez belle en général. On voit un petit peu de forêt avec du vert. Puis, on voit qu'au sommet, là, c'est gazonné, puis c'est les secteurs orangés. Donc, on va pouvoir pratiquer notre lecture de carte ici. Dans formation, tout à l'heure, pour vous montrer le plan des leçons, je suis allée dans formation des instructeurs. Donc, c'est la boîte à outils qu'on donne aux professeurs, ça se trouve à être ici. Dans l'autre lien ici, certification au sang. Ça, c'est des documents qui sont préparés, qui viennent de Orienteering Canada pour former les officiels. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans. Je ne vous montrerai pas tout, mais la présentation PowerPoint qui est ici, je veux juste vous montrer quelques images de cette présentation PowerPoint-là qui peut servir de référence et que je trouve intéressante. Donc, pour être plus rapide, je vais l'ouvrir de mon bureau.
Donc, ça, c'est vraiment pour former des officiels. Donc, quelqu'un qui voudrait créer des parcours d'initiation selon les standards de la Fédération internationale, il veut s'assurer que c'est sécuritaire, que ça respecte les standards de base, bien, pourrait se référer à ça. Mais ici, c'est une présentation de 92 slides, donc je ne vous montrerai pas tout ça. Je vais aller directement, je pense, c'est à la 48, parce que là, je veux vous donner des outils de base de lecture de cartes. Donc, je vais commencer ici. Il y a un guide qu'on peut référer quand on veut connaître les symboles qu'il y a sur la carte. Là, je l'avais tantôt, mais il y a un lien pour aller trouver la définition de tous ces symboles-là. Après, ce que je veux vous montrer, c'est juste les vocabulaires de base. Il nous reste quelques minutes, là, mais je voudrais vous montrer c'est quoi le vocabulaire de base et comment c'est représenté sur la carte. Donc, une balise, c'est ce qu'on cherche sur le terrain. C'est entouré par un cercle violine, qu'il appelle, violet. Puis, ce qu'on cherche d'habitude, là, c'est supposé être en plein centre du cercle. Et quand on arrive au bon endroit, normalement, ce n'est pas supposé être une chasse au trésor. Quand on se trouve près du bon endroit, on devrait trouver la balise et la trouver facilement. Dans des parcours, souvent, c'est soit un poinçon comme ça qui peut être utilisé. Là, il y a différents niveaux. Là. Tantôt, je vous ai montré des parcours avec rien installé sur le terrain. Vous allez voir les parcours où il y a des balises installées, mais c'est juste des balises qui utilisent un système des codes QR. Il y a un autre système qu'on peut utiliser des poinçons ou un système électronique. On voit le bidule qui est ici. Le coureur arrive avec un gizmo, là, un petit appareil, qui rentre dans le trou qui se trouve à être ici sur la balise, puis ça fait un chronométrage officiel. Donc, c'est ce qu'on peut voir comme balise. Donc, la balise devrait être en plein centre du cercle. Un segment. Quand on part, ce qu'on appelle un segment, tantôt je vous ai dit, le point de départ, c'est le triangle. Et le premier segment, ça se trouve à être le chemin qu'on prend entre le départ et la balise numéro 1 qu'on cherche qui va être dans le centre de ce cercle-là. Donc, un segment est toujours représenté par une ligne droite, mais on ne marche pas nécessairement une ligne droite. On peut décider, selon nos compétences, selon nos habiletés, on va décider qu'est-ce qu'on fait. Si moi, là, je suis un coureur champion mondial, puis je décide de faire la ligne droite, puis je me prends une boussole, peut-être que je pourrais partir puis vraiment couper à travers forêt et champs, descendre la falaise, traverser la forêt dense ici qu'on voit, suivre des courbes de niveau puis arriver directement. Sauf que 99% des gens, ce ne sera pas le choix qu'ils vont faire. Ils vont probablement dire, bon, bien là, j'ai une belle route là, qui peut m'amener bien proche de la balise. Et puis là, c'est en début de parcours, peut-être que je vais partir en sprint, puis je vais commencer à courir sur le sentier, puis je vais me rendre jusqu'ici. Quand que je vais avoir été, peut-être compter mes pas ou observer chacune des intersections, quand je vais savoir que je commence à retourner vers l'est sur la route, je vais rencontrer un sentier, je vais prendre le sentier puis je vais me rendre à la bonne place. Donc, on voit qu'il y a des décisions à prendre. Ça, c'est sûr qu'en kilométrage, là, cette boucle-là est plus longue, mais elle est vraiment facile à prendre. Tu sais, tu lis ta carte puis tu ne devrais pas te tromper. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, « Bon, ben, moi, là, je ne veux vraiment pas perdre mon temps à aller faire si long que ça. » Peut-être qu'ils pourraient dire, je vais partir, je vais faire un petit bout. Là, je vais prendre le sentier qui est ici parce que je veux essayer de couper. Je vais faire un bout sur la route. Je vais essayer de couper un sentier. Ici, je vais aller à gauche. En tout cas, il y a plusieurs décisions qui peuvent être prises pour se rendre au point qui est là. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fonction de de qui est notre clientèle, est-ce que c'est des débutants, des intermédiaires et avancés, bien, il y a plusieurs choix qui se font par rapport à comment on se déplace d'un point A au point B. Et puis qu'au final, quand on est parti du point A au point B, ça s'appelle un segment. Un point d'appui. Un point d'appui, c'est quelque chose qu'on peut observer sur le terrain qui nous permet de valider on est où. Donc, ce n'est pas une très grande surface, c'est un élément qu'on peut voir. C'est un monticule, c'est une dépression, c'est un fossé, un rocher. C'est toutes des choses qui sont des points d'appui. Ce qui manque, là, un bon point d'appui, c'est une intersection. Tantôt, quand je vous disais, si on retourne sur l'autre de tantôt, je partais du point de départ. Tout de suite, à la première intersection, je décidais de tourner, mettons, à gauche. Bien là, je sais que je vois l'intersection sur le sentier. Je sais que je suis ici. Mon premier point d'appui, c'est l'intersection qui est là.
Si je cours, puis j'arrive à l'autre intersection où je vois un sentier puis un chemin, c'est un autre point d'appui. Si en courant, je vois les bosquets qui sont là à ma droite, c'est des points d'appui. Je dis, OK, là, je suis à côté des petits buissons. Là, je rentre dans la forêt. Donc, la transition entre le champ puis la forêt verte, ça pourrait être un point d'appui. Donc, tout ça, toutes les choses que je suis capable d'observer sur le terrain puis qui me permettent de faire un lien entre la carte et le terrain sont des points d'appui. Donc, c'est ce qu'on cherche. Plus on devient bon dans la lecture de cartes, plus on a de la facilité à reconnaître ces points d'appui-là. Donc, il y a des points d'appui, puis il y a des points d'appui linéaires. Un point d'appui linéaire, c'est vraiment, c'est comme la route. Quand tu suis la route, là, tu sais que tu es sur la route, à un moment donné, c'est vraiment une belle ligne droite, puis là, tu as un croche qui tourne à gauche. Là. Tu vas pouvoir avoir fait quasiment 500 mètres en ligne droite, donc ça te permet de faire des grandes distances, de suivre un point d'appui linéaire. Donc, les points d'appui linéaires, des fois, il y a des clôtures, des ruisseaux, une crête qui s'en va dans une direction donnée. Donc, si mon objectif sur cette carte-là, je pars, disons, de l'intersection qui se trouve ici, puis je veux me rendre dans la courbe du sentier ici, là, ma carte est tronquée. Peut-être que je pourrais décider d'y aller en ligne droite, mais là, je vais aller mettre les pieds dans un ruisseau, dans un marais, dans un autre marais, je vais probablement me perdre, puis je vais peut-être arriver au bon endroit si j'ai suivi ma boussole. Mais c'est probablement plus simple de... On peut imaginer ici que le chemin va croiser le sentier, puis de suivre un sentier. Les principaux points d'appui linéaire, là, ça se trouve, c'est souvent les sentiers et les routes qu'on peut suivre. Ou un ruisseau. Si j'arrive ici, je veux suivre le ruisseau ici, mais un ruisseau, souvent, ce n'est pas très intéressant à suivre, mais souvent, tu peux marcher parallèle à un ruisseau en le suivant. Donc, ça, c'est un point d'appui linéaire. Il nous reste 2 minutes. Je finis de faire le tour du vocabulaire. Une ligne d'arrêt. Si je suis partie d'ici, de mon point de départ, puis je vise un monticule, puis que je l'ai manqué, le monticule, je suis passée à côté, mais j'aboutis sur mon gros sentier. Ça, c'est une ligne d'arrêt. Je veux dire, écoute, là, je suis rendu sur le sentier, fait que c'est sûr que j'ai passé tout droit. Donc, c'est ce qu'on appelle une ligne d'arrêt. C'est quelque chose qu'on peut identifier derrière notre objectif qui va nous dire, hey, wow, là, t'es rendu trop loin. Donc, ça, c'est une ligne d'arrêt. Là, je pense que le reste pour aujourd'hui, ça va être suffisant. Le reste, on le fera. C'est ce que je voulais vous montrer au niveau de la théorie. Sur le site d'Azimut Laurentide, ici, en haut complètement, il y a une vidéo qui dure 12 minutes. C'est un super bon récapitulatif de c'est quoi la course d'orientation, comment on lit les couleurs que je vous ai dit tantôt. La forêt blanche est facile à courir, la forêt verte foncée est plus difficile, les objets noirs, c'est des objets construits par l'homme, tout ce qui a lien, il y a rapport à la terre, les courbes de niveau, c'est brun. Tout ça est résumé là-dedans. Donc, si en prenant une bouchée ce midi, vous avez le temps, je vous suggérerais de prendre le temps de l'écouter. Ça vaut vraiment la peine. On l'a mis sur notre site web parce que c'est très intéressant. Donc, je vous laisse avec ça comme information. On essaye de devenir bon dans les prochaines années, de tout partager ce qui est pertinent sur le site web de la FEDE et du Club Azimut. Donc, c'est tout ce que vous devriez garder comme archive. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez aller plus loin avec votre école, avec votre parc municipal, avec votre parc régional, on va essayer de voir dans les années qui s'en viennent où on est capable de trouver des subventions pour aller créer des activités qui vont être pertinentes que vous allez pouvoir utiliser. Ce n'était pas une question, c'était simplement un commentaire. Merci beaucoup, Mme Sigouin. J'avais déjà choisi le Fat Bike. J'ai un petit regret, j'aurais vraiment aimé ça être là parce que c'était très intéressant. Merci beaucoup. Ah ben ça fait plaisir, c'est gentil. Puis, de toute façon, comme je vous ai montré, les activités sont offertes en ligne gratuitement. Donc, si vous voulez les essayer, c'est facile de les faire à la maison. Pas obligé d'imprimer les cartes. Si vous y allez avec 2 téléphones intelligents, disons, là, il y a quelqu'un qui peut avoir la carte sur son téléphone, puis l'autre pose des questions ou utilise l'application IO. Là. C'est facile à faire avec 2 téléphones sans rien imprimer.